Bien souvent, lorsqu'on se retrouve dans une situation difficile et compliquée, on voit rouge, on ne trouve pas de solution, on a le sentiment d'être bloqué, enfermé. Et pourtant, il existe des solutions simples à pouvoir appliquer pour sortir de n'importe quelle situation et trouver des solutions alternatives que l'on ne voit pas dans le moment où on est dans cette situation inconfortable. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler une astuce puissante que vous allez pouvoir utiliser pour sortir des situations difficiles et d'avancer là où vous souhaitez aller. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce puissante que vous pourrez utiliser pour sortir de n'importe quelle situation et de voir des solutions là où il était encore impossible de les trouver avant. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez le sentiment que vous vivez une situation compliquée dans laquelle vous ne trouvez pas de solution et vous voulez absolument sortir de cette situation parce que c'est une situation dans laquelle vous n'êtes pas confortable, et c'est peut-être par exemple lancer ce projet qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, ou peut-être quitter cette activité qui ne vous passionne pas, ou quitter cette vie, cette situation financière compliquée ou complexe dans laquelle vous avez le sentiment d'être enfermé et vous ne trouvez pas de solution. Ou c'est peut-être votre entreprise ne fonctionne pas, vous êtes à quelques mois d'une situation catastrophique et vous vous demandez comment faire pour sortir de la solution, mais vous ne voyez pas de solution. Pour comprendre l'astuce que je veux vous partager dans cette vidéo, dans cette solution, on va prendre l'exemple de cette caméra. Je suis en train d'être filmé en ce moment. Vous avez derrière un cadre et dans ce cadre, vous voyez certains éléments. Vous me voyez probablement au centre ou sur un des côtés, et puis autour de ça, vous voyez différents éléments, différentes images. Et si ces images-là sont sombres pour vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution dans le cadre dans lequel vous êtes en train de regarder, ben il sera difficile pour vous de sortir de cette solution difficile. Vous cherchez des solutions, vous allez dans le coin supérieur droit, gauche, ainsi de suite, et vous ne trouvez aucune solution. Et vous ressassez à chaque fois les mêmes idées, le même cadre, les mêmes éléments, et pourtant, vous ne trouvez aucune solution. Pour comprendre la puissance de cette image, de cette métaphore, c'est de réaliser que derrière, vous ne voyez qu'un seul cadre, une seule image. Bien évidemment, quand je bouge, vous en voyez plusieurs. Mais si je ne bouge pas, vous voyez exactement les mêmes images, le même cadre. Et s'il n'y a pas de solution et que vous voyez rouge, que vous avez déjà ressassé tous les coins et les recoins, vous ne trouvez pas de solution à votre situation. La force, c'est quoi? C'est si on est comme ça et que j'étais immobile depuis le départ, vous n'aviez qu'une seule grande image, un seul cadre. Et puis si je décide de changer de cadre, vous voyez d'autres éléments. Des choses que vous ne voyiez pas avant, dans lesquelles potentiellement il existe potentiellement une solution différente de celle que vous aviez, parce que vous passiez et ressassiez les différentes choses. Si je tourne encore un tout petit peu comme ça, vous avez également encore un autre cadre. Et si dans le cadre précédent, vous n'aviez pas trouvé la solution qu'il vous fallait, là, il est possible pour vous de trouver et de regarder une solution. Donc dans votre situation actuelle, probablement si vous suivez cette vidéo et que vous êtes dans une situation compliquée, complexe, dans laquelle vous ne savez pas comment vous en sortir, vous ne savez pas comment doubler votre revenu, tripler votre revenu, attirer de nouveaux clients, faire grandir votre business, votre activité, il y a fort à parier que vous regardez sans doute la même chose, les mêmes idées, le même schéma de pensée, le même système de réflexion pour trouver ces solutions, et vous regardez dans la même direction. Ici, si vous décidez de changer votre cadre, de voir autre chose, d'avoir une autre image de fond et de changer les paramètres, votre façon de voir les choses, vous changez le cadre de référence, vous modifiez votre paradigme, vous trouverez des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Et ça, ça fonctionne même lorsque vous êtes dans une situation très complexe, de laquelle vous voyez totalement rouge, il n'y a pas de solution selon vous. Oui, dans ce cadre de référence-là, dans cette image que vous avez sous les yeux. Voici donc ce que je vous propose de faire maintenant. Non, c'est de changer de perspective de cadre de référence, de changer d'angle de vue. Prenez la situation qui vous préoccupe actuellement, dans laquelle vous pensez qu'il n'y a pas de solution. La solution en tout cas que vous avez trouvée ou celle que vous avez trouvée ne vous satisfont pas. Prenez ces situations-là et mettez-les face à vous. Changez votre cadre de référence, changez l'angle. Regardez d'une nouvelle façon, déplacez-vous, sortez du cadre comme on dit. Pensez différemment, osez prendre des initiatives, des décisions, des modes de pensée et de fonctionnement que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Et vous verrez qu'en faisant juste cette simple astuce, cette simple technique, cette simple astuce, vous trouverez des solutions alternatives à celles que vous aviez trouvées jusqu'à présent. Et ça me rappelle un moniteur de conduite il y a quelques années qui nous emmenait dans un circuit vert glacé et nous disait « Vous devez simplement suivre le circuit lentement et vous verrez que la voiture va automatiquement quitter le circuit. Votre seul objectif, c'est de garder la trajectoire et de rester sur la bonne direction. » Et lorsque nous faisions ces exercices, toutes les personnes qui étaient avec moi, qui étaient pourtant des habitués de la conduite, toutes les personnes, 4 fois sur 5, allaient sur le côté et rataient l'exercice. Et lorsqu'il nous a expliqué
expliquer ensuite le raisonnement, la solution et l'astuce, elle était assez simple. C'est au lieu de regarder l'obstacle, il faut regarder la solution. Au lieu de regarder l'endroit où vous êtes en train de déraper, regardez la bonne trajectoire, même si la voiture va dans l'autre sens, dans l'autre direction. Donc vous changez votre cadre de référence, vous étiez dans une situation négative et vous regardez autre part, là où il y a la solution. Au lieu de regarder le problème, on regarde vers la solution, on change son cadre de référence, on change son angle de vue et automatiquement les choses commencent à prendre ici une autre ampleur, une autre tournure. Et en testant simplement cette astuce dans le domaine de la conduite, automatiquement, étrangement, nous avions ici retrouvé la bonne trajectoire à chaque fois. Et c'est ce que vous devez faire absolument aujourd'hui dans votre vie. Prenez cet élément qui est important pour vous, dans lequel vous voyez rouge, si vous suivez cette vidéo, et dites-vous, j'ai déjà parcouru les différentes solutions. Quelles sont les solutions alternatives? Je change mon cadre de référence, je change peut-être d'environnement, je change de mode de pensée, je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre, je réfléchis comme quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui m'inspire, pour trouver un autre mécanisme et trouver des solutions alternatives. Et pensez à la solution en tête au lieu de penser au problème. Le problème, il est là, la douleur, elle est là, la partie où vous voyez rouge, elle est là. Et maintenant, regardez vers la lumière et trouvez des solutions alternatives. Si vous avez apprécié ce conseil, cette simple astuce et que vous vous intéressez au business, je voudrais vous faire télécharger un document qui est le parcours de l'entrepreneur prospère, qui permet à chaque entrepreneur passionné de liberté de développer ce type d'astuce dans sa propre vie et ensuite développer des business prospères qui dépassent la barre des 100 000 euros, ensuite la barre du million d'euros pour le reproduire année après année. Vous pouvez le télécharger sur le e-com-info ou dans le lien qui est quelque part dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant le pouce vers le haut, les passionnés de liberté. Vous pouvez également vous abonner sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Dites-moi au bas de cette vidéo en commentaire quelles sont les astuces que vous utilisez, vous, pour sortir des situations compliquées et difficiles. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous envoie toutes mes vœux de succès et je vous dis à très vite. C'est Zico Kiax. Merci.